Donc c'est la quatrième et dernière vidéo que je fais sur les jeux Thomson aujourd'hui. Comme dans les autres vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par son contenu. Donc je vous présente le jeu Marche à l'ombre, édité par Infogrames en 1987 pour les machines Thomson TO-8, MO-6, Amstrad CPC et Atari ST. Alors il s'agit d'un jeu d'aventure dédié au chanteur Renaud, évidemment, et dédié au film Marche à l'ombre, dans lequel le but est de récupérer toutes les pièces de sa mobilette pour emmener sa gonzesse voir un concert. Donc j'ai marre le jeu. Voilà, on se retrouve en fait dans un bled paumé et on doit récupérer toutes les pièces de sa mob. Donc ça joue à la manette sur les Thomson TO-8 et MO-6. Vous voyez, on a un écran 320 sur 204 couleurs qui ont jaune pâle, jaune foncé, gris et noir. Alors on attend que ça démarre. Voilà, ça démarre à 12h. Voilà, là on est dans un bar. Bon, là en fait c'est pour recharger en énergie, parce que des fois on se bat dans le jeu et on perd l'énergie qui est représentée par la bière à droite là. Donc en fait je recherche. Et donc ça joue à manette, et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a trois possibilités. Soit on lui pose une question. Vous avez pas vu ma biob? Non, non. Bah s'il répond pas, on peut fuir ou se battre. Je vais commencer à me battre. Et j'ai récupéré une mobilette. Donc là, je peux retourner au bar. Si je ne m'abuse pas, il doit être... Le bar, il doit être par là, normalement. Non, il n'est pas là. Hop. Il est où le bar? Zut. Je ne sais plus où est le bar. Donc, il faut trouver le bar pour récupérer... Donc, je lui pose toujours la même question. Ah non, je suis obligé de me battre. Et voilà, j'ai perdu. Bon. Allez, on va refaire une autre partie. Non, c'est pas perdu. Je fuis. Hop là. Faut que je trouve le bar pour pouvoir me requinquer. Hop. Donc, zut. Je fuis. Hop. Vu que j'ai plus d'énergie. Ah, le bar est là. Donc je vais pouvoir aller là. Toc. Je me recharge. Et là. Je me rebats avec l'autre mec si je le retrouve. Voilà. Voilà, je vais me battre avec lui. Hop. Baston. Hop. Ah bah j'ai carrément récupéré 50 francs, un billet, une roue. Donc là faut que je retourne au bar. Là je vais fuir. Hop. Faut que je retrouve le bar pour me quinquer. Et j'ai à 14h10. Bon, et hop. Donc on a jusqu'à 19h30 pour récupérer toutes les pièces de sa mob, les deux billets et inviter sa copine. Hop. Ok. Est-ce que là il y a une pièce? Non, il n'y a pas de pièce. Bon, j'ai qu'une roue pour l'instant. Hop. Là, si je vais par là, je vais où? Est-ce que si je fouille là, ça se passe rien? Donc on a l'animation aussi qui est plus... Voilà, bah, c'est un peu lent, mais bon, parce que vu que c'est cet MO6, le rafraîchissement d'écran se fait... toutes les dizaines de secondes, ça aurait pu se faire en mieux sur les Thomson, enfin sur les TO-8. C'est bizarre ça. Bon, bref, je vais par là. Hop. Là, y a rien. Hop. La cabine téléphonique, là je peux aller téléphoner à la cabine. Donc.
T'inquiète pas, j'arrive. Ok. Ah bon, on peut changer le dialogue, ça c'est bien. Ok. Là, je peux pas ouvrir normalement. Et j'ai à 15h42, j'ai plus que 4 heures. Bon. Hop. Là, il y a quoi? Rien. Si je rentre là, ça fait quoi? Non, il se passe rien. Ah, casse auto. Normalement, là, je vais trouver quelque chose. Normalement, je dois récupérer au moins une roue ici. Hein. Donc, je pose la question. J'ai plus de flic. Donc là, je vais me battre contre lui. Hop. Donc à chaque fois ça change, hein. On est... j'ai récupéré 2 pièces, mais maintenant il faut que j'aille... Donc c'est aléatoire à chaque partie en fait. On peut hop. J'ai 65 francs. Hop. Alors le garage garagiste là, on peut acheter les roues pour 50 francs. Alors à l'époque c'était des francs encore, on était en 87. Je trouve le bar. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi ici? Est-ce que je peux récupérer un truc? Pas d'infos, bon. Voilà, une partie c'est assez court en fait, mais le but c'est de trouver toutes les pièces et y a quoi ici? Y a rien. Y a rien, non, y a rien. Donc je retourne là. Bon, je fuis, je m'en fous, là, y a pas d'infos. Hop. Donc voilà, c'est le jeu Marche à l'ombre, version Thomson TO8 et MO6. J'espère que ce jeu vous a plu. Alors il y a des détails, des liens vers lesquels vous pouvez télécharger le jeu sur l'émulateur ou voir plus d'infos sur mon site internet, dans le texte de la vidéo YouTube. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.